J'ai une bonne intuition sur cette piste, gardien. Ça pourrait être gros. Assez gros pour faire la lumière sur cette affaire. Finch, une intuition ne suffit pas. Il nous faut des preuves. Irréfutables. Ok. Que diriez-vous d'un temple souterrain secret? Parce que j'en ai trouvé un, au fin fond de ces tunnels. Et devinez à qui il est consacré? À Savatun. Eh oui. Enfin, presque. À Satona. Savatun avant qu'elle ne devienne une déesse de la ruche. Si c'est pas irréfutable, ça, imaginez un peu ce qui doit être enfoui là-dedans. Que j'imagine. Donc vous n'avez rien vu du tout? J'ai pas exactement pu poser l'œil dessus. Mais c'est puissant! Assez pour attirer tout plein d'infâmes! Si cet objet est ce que vous promettez, alors ça vaudra la peine. Ouvrez l'œil, gardien. On ne peut pas rater ça. Les infâmes sont encore mieux installés qu'à notre dernière visite. Ah oui. Les infâmes se sont retranchés bien profondément. Finch, parlez-nous de ce temple plus en détail. Comment savez-vous qu'il est consacré à Satona? J'ai fait que jeter un bref coup d'œil, mais la statue lui ressemble beaucoup. Donc Savatun a construit un mausolée dédié à elle-même. Jeune, et l'a abandonnée. Pourquoi? Je sais pas. Elle était gênée? Qui n'a pas un peu honte de son passé? C'est une impasse. Mais avec une illusion ici, et la signature de Savatun. Quitter les lieux sans ses protections. Pourquoi n'est-elle pas revenue améliorer ses défenses avec la lumière? Pourquoi la ruche lumineuse n'est pas venue affronter les infâmes? Ah, c'est peut-être un appât. Pour attirer les infâmes et pouvoir les convertir à sa cause. Les utiliser contre le témoin. Je doute fort que Savatun mette son monde du trône en péril pour quelques brigades d'infâmes. Non. Une guerre de territoire entre Savatun et le témoin. On ne cède pas de terrain à moins de perdre. Thank you.
voici donc le temple que Savatun a consacré à elle-même. C'est... impressionnant, non? On ne peut pas accuser Savatun d'excès d'humilité. Impossible de baisser le pont depuis ici. Il doit y avoir un autre passage. Utilisez tous vos sens, gardien. Vous êtes allé trop loin pour revenir les mains vides. Pas le moment, Finch. En effet, ne distrayez pas le gardien. Nous parions déjà sur le fait que cette chose a les réponses que nous cherchons. Le voyageur et la dernière cité en dépendent. Regardez, cette plaque au centre devrait abaisser le pont-levis. Abaissons le pont-levis. Bien. Une fois à l'intérieur,
allez directement voir la statue décrite par Finch. Si ça correspond, l'objet devrait être tout prêt. Avez-vous trouvé l'objet ? La seule chose ici est la statue. Quoi ? Il doit y avoir autre chose ! Cora, mais il semble bien qu'il n'y ait rien d'autre ici que la statue. Finch, s'il vous plaît, ne me dites pas que le gardien a fait tout ça pour rien. Non, non, il y a quelque chose, je le jure. Attendez. Et si l'objet était la statue elle-même? Il y a une partie de la statue. Le vert compagnon semble être un élément à part. Bien sûr. Après tout, c'est le temple de Savathun. Il fallait bien une ruse quelque part.
Bien venir de quelque part. Sortir d'ici, et vite. Cora, Finch, des suggestions? Bon, il n'y a plus que nous deux. C'est parti, gardien.
gardien? Vous me recevez? Nous sommes là, Ikora. Remontons vers la surface. Et vous avez l'objet, n'est-ce pas? Sinon, c'était une énorme perte de temps. Nous l'avons. Merci de vous en soucier, Finch. Ouh. J'ai jamais douté de vous. Ikora était inquiète, mais je savais que vous vous occuperiez de la Amkara. Qui n'était même pas réel. Le danger était bien réel, lui. Je n'aurais jamais dû envoyer le gardien avec si peu de renseignements, même si c'était notre seule piste. Bon, nous ressortons en un seul morceau. Et cet objet nous montre comment Savatoun a obtenu la lumière. Le risque pris était justifié. Oui. Espérons-le. Ouais. Allez, l'équipe!